s'auto. J'aime bien vu la réaction, c'est la réaction aussi un petit peu de s'asseoir en fait. Et au bout d'un moment, comme les adversaires en colère, on peut toujours trouver des techniques différentes. Donc en fait, moi, pour faire tomber mon adversaire, au soto, au bout d'un moment, ça, je mettais de moins en moins, sauf que ça me laissait vachement d'ouverture sur le sasae. Donc en faisant ça, je pouvais faire mon soto, mais là, en faisant l'entrée du soto, en fait, je m'ouvre l'ouverture pour le sasae. Par contre, pour le sasae, je le fais avec la main. Comme ça, on appuie bien sur les côtés. Donc je fais comme si j'allais faire au soto gari, sauf que là, je viens sur le sasae. Alors vraiment, il faut aller essayer d'aller chercher le plus loin possible derrière. Faut pas tout de suite essayer de le casser. De le casser comme ça. Faut vraiment essayer d'aller chercher loin derrière. Et une fois qu'il a passé, je veux dire, la ligne d'égo ou même un petit peu avant, c'est là qu'il commence à descendre. Donc là, ma réaction vraiment, et même mon entrée, hein, c'est comme si j'allais faire un saut. Je viens poser mon pied. Je le ramène à moi, je le tire, pour faire en sorte que c'est vraiment la même chose. Sauf que là, je viens faire mon pivot. Alors l'idéal, c'est de mettre la plante de son pied au niveau de la cheville. Je me dis tout de suite, vous allez la mettre un peu partout. Là. Moi, enfin, des fois, ça m'arrive de la mettre là, ça m'arrive même de faucher avec le cilias pour celle qui peut en rester. Parce que là, je cherche vraiment l'efficacité, vraiment le niveau. Donc, je fais mon soto, l'entrée de mon soto. Et du coup, je suis sur ça. Donc, je vous ai dit, vraiment, il vient en arc de cercle, il va loin derrière après une passe. Très important aussi la main gauche, je tiens la manche. Elle vient, elle va pousser.